J'ai fait les prières les plus ardentes pour notre pays. Je pense que nous avons donné tout de suite, pendant combien de temps, un des tableaux les mieux qu'on pouvait faire. Nous souhaitons que notre pays réponde, que tout le monde adhère, que nous acceptons. Nous n'avons pas d'autre voie. Si nous ne pouvons pas faire notre Mali, il faut qu'on fasse celui de nos fils et de nos petits-enfants. Et ça commence maintenant. Et j'espère bien que nous allons nous consacrer à cette tâche cardinale et fondamentale. Alors, revoir tout ce monde au Palais de la Culture ce matin, ça vous a fait quoi aujourd'hui? Beaucoup de plaisir et beaucoup de souvenirs. Mon aîné l'a dit, il y a combien d'années, à la conférence nationale? J'étais là à présider cette conférence en tenue commando. Le Mali a parcouru un chemin incroyable. Qui voulait qu'un commando vienne présider une conférence nationale? C'est la vie, c'est arrivé. Ça m'a fait des souvenirs, ça m'a rappelé des souvenirs. Et je suis très heureux de la cérémonie qui a été organisée. Je salue et félicite mon aîné. Maintenant, retour son hommage et allons-y pour le bon.